Et bonjour, internautrice et internauteur, ici Gelden pour les jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Dotage. C'est l'automne. C'est l'automne. On sait qu'on va avoir tôt ou tard un événement maudit. Ce sera dans le domaine de la peur. Et puis, bah voilà, on est au début d'un. Début d'un âge, en quelque sorte. On sait que le prochain event, ce sera un event en lien avec la chaleur. Donc là, ça va, on a un plus 4 ici. Tranquillou bilou. Presque tranquillou bilou. Je vais être un peu short en... Je vais être un peu short en chambre. En bois, j'ai tout juste ce qu'il me faut. J'ai mes gens qui récoltent des citrouilles, enfin qui se forment à récolter des citrouilles. J'ai pas besoin d'eau dans l'immédiat. Donc, hop, j'ai besoin d'un peu plus de chanvre parce que là, je vais en consommer 4 par tour. Faut que je fasse du chaud. Ok, on est parti sur l'amélioration de la... Comment ? De la... Du hall de guilde, en quelque sorte. De la maison principale. Et... J'ai combien de gamins ? J'ai 2 gamins qui sont en train de pousser. 14 adultes. Et je peux sans doute faire d'autres gamins, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, j'essaie de me refaire quelques provisions. Hop. Voilà, j'ai terminé mon rôle. Nickel, donc ça m'augmente aussi la capacité en population. Alors, j'en ai 2 qui ne font rien. Très bien. Ah, ça, je peux pas le supprimer. Est-ce que je peux faire un champ de citrouille dessus ou pas? Bah oui, je peux faire un champ de citrouille dessus. D'accord, il fallait d'abord que je fasse disparaître le champ de tomates qu'il y avait. Sauf que là, je bénéficie pas du bonus de proximité avec l'eau, mais j'ai le fois 1,5. Parce que c'est une... C'est comme ici, hein, de mémoire, ici, là en dessous. Sol. Pot. Si, il me semble bien que c'était une terre fertile. Si, caractéristique. Marqué sol, comme non là c'est marqué herbe. Oui. Donc je peux éventuellement me refaire un champ de citrouille. Tac. Ah tiens, par contre. Non, annulé. Maintenant je peux faire des champs de navets. C'est là. Détester champ. Ouais, je peux pas le mettre là. Où est-ce que je peux le mettre? Ah mais je peux le faire qu'en hiver. Donc c'est pas la peine. On verra ça quand ce sera le moment. Donc je pourrais refaire, même si j'en ai pas un besoin impérieux tout de suite. Je me disais que, quitte à aller récupérer du chanvre, je pouvais aussi me former un troisième... Ça m'utiliserait mon dernier outil. En chaleur ça va être bon, lui je le laisse, hein. je prends de l'avance sur les futurs événements. Alors j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Je vais peut-être me donner un que je pourrais lancer un autre gamin.
J'en aurais deux qui seraient bloqués en formation. En chambre, ça peut le faire. Les cailloux, c'est bien si j'en ai. Non, je vais faire. Je vais me relancer un outil parce que je vais consommer mon dernier. Je vais essayer d'en avoir toujours au moins un d'avance. Hop. Ok. On est bon. More babies. Cabane de l'ouvrier. Donc la cabane de l'ouvrier me permettra de faire 6 productions d'infusion et de bandages. Alors les infusions, je les produis par ici. Ah mais c'est une amélioration, d'accord. Donc il faudra que je fasse la production de bandages pas loin. Ce qui va pas être facile. Là, de toute façon, bah, si je vais avoir juste ce qu'il faut de pierre, très bien. Et bah, là, tu vas me planter l'autre champ de citrouille, un nouveau champ de citrouille ici. Comme ça me permettra d'avoir potentiellement plus de producteurs de chanvre. Ok. Donc ça, c'est une amélioration. Très bien. Et il faut que je puisse fabriquer des bandages. Alors, les bandages, c'est ça. Et pour faire des bandages, il faut que je puisse fabriquer du papier. Eh bien, allons chercher la fabrique de papier. Là, ça va, j'ai un peu d'avance. En bouffe, c'est bien. Ah oui, parce que du coup, j'ai Chobiti qui s'est mise à récolter ses citrouilles. Là, je continue de récupérer de la pierre. Je consomme de la flotte ici, c'est normal. J'ai un peu d'avance sur le chanvre, c'est très bien. Alors ensuite, lui, il va retourner faire de l'espoir. Hop, on réactive ça. Alors, j'en ai deux qui ne font plus rien. Je peux recommencer à produire du bois, mais ça va à peu près. Éventuellement récupérer un peu de flotte. Là, je vais récupérer un outil au prochain tour. Je pourrais me refaire des cabanes. Non, je vais refaire faire un bébé là. Hop. J'ai besoin de plus de population. Voilà, un outil en plus. Et je vais le faire arrêter dans l'immédiat. Ah, un event. Que se passe-t-il ça? Insulte. Chobiti, arrête. Insulte. Ah bah très bien. C'est très bien, Chobiti. C'est très bien de t'excuser. Bravo.
Et je peux faire une papeterie. Alors, qui me coûtera du bois et de la du bois et de la pierre. Alors, qui convertit du bois, 3 de bois par tour. Ça peut être un peu gourmand. Plus un 6 production de bois dans une tuile. Et plus un 6 défrichement vers une habitation. Alors, là, ça serait bien, sauf que j'ai pas de bois à côté. Ah non, c'est pas nécessaire. D'accord. Donc c'est pas nécessaire qu'il y ait du bois juste à côté. Mais c'est mieux si le producteur de bois. Donc ici, ce serait très bien. Et en plus, j'ai juste à défricher en plantant. Oui. Hop. Donc là, je vais faire disparaître sans doute 3 petits lapins. Je suis désolé. Ici, donc pour bénéficier d'encore plus de bonus, je vais défricher puisque il faut le principe, hein, il y a un bonus, c'est défrichement vers une habitation. C'est un chemin direct vers les habitations, faites pavé, défrichement au mieux. Donc là j'ai une habitation juste à côté, bah, il suffit que je défriche sous l'habitation en question pour pouvoir bénéficier du bonus. Donc l'avantage c'est que là ça me produira pas mal de bois. Je vais sans doute produire un bois de plus et du coup je vais améliorer ce fabricant de bois là. Hop, voilà, donc là la formation est terminée ici, donc je vais récupérer un peu de chanvre. Ce sera pas ouf, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc là du coup je suis large. Donc toi je vais te convertir en graines parce que j'ai besoin de un peu de graines. En tomates, ça va, je suis un peu large. Je vais juste te faire produire ça. En recherche. Donc, alors, le scriptorium qui convertit de papier. Ah oui, mais il faut aussi que je construise l'étalage de bandage. Requiert production de santé sur une tuile. Ok. Puisque ça se combine bien avec la cabane de l'ouvrier. Donc en fait, il faut qu'il soit côte à côte. Ok. Ah oui, il faudrait que je récupère. Ah merde, ça, j'en récupère que à l'automne. Ça là. Et il faut que je le fasse tout de suite. Puisque ce n'est qu'à l'automne que je peux récupérer les plantes médicinales. Ok, donc là j'ai de l'avance, ça sert à rien que j'en consomme plus que ça ici. Et ben je vais terminer là. Puisque de toute façon, hein, quand l'événement survient, ça revient à zéro. Alors, ça m'intéresse, puisque là, ça va être la première fois que je vais le faire. Est-ce que le fait de... Tiens, je peux l'annuler. Je vais l'annuler. Ah non, en fait, c'est bon, ça fait pas, ça génère pas de peur, le fait de faire disparaître le terrier. Ça, c'est quand même bon savoir. Hop là, très bien. Donc on va améliorer ça. Donc ça veut dire que ici je pourrais faire la fabrique de bandages. Parce que la fabrique de bandages. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'est la fabrique de bandages? Où est-ce qu'est la fabrique de bandages? Formation. Ah bah j'ai tout simplement pas débloqué, donc c'est normal que. C'est quoi? Requiert production de santé.
Ouais, c'est ça. Donc ça va très bien ensemble. De là. Et ça, pour produire davantage de breuvages, c'est des infusions. Ok. Pif, voilà, et si c'est fait. Alors là, on est sur la complétion de cet event là. Je vais pouvoir débloquer un souvenir de plus, du coup. Alors, qu'est-ce que je gagne? Un pipe devient heureux pendant 5 jours, le village obtient 10 pommes. Dio a trouvé de la nourriture dans la forêt, il pense qu'elle lui appartient. Alors 10 pommes c'est bien, mais c'est quand même pas ouf. Hein. Ça me fait même pas un jour de bouffe. Alors que ça va me générer de l'espoir, ça peut me permettre de. Ouais, ce sera toujours bien. Garde tes pommes, petit Dio. Très bien. Tiens, là, je peux faire encore un gamin. Cueilleur d'herbe. Alors, qu'est-ce que je débloque comme souvenir? Je peux débloquer donc soit empoisonnement, soit de nouvelles cultures. Oh. Ah, et là, je débloquerai encore un nouveau vieux, un nouveau narrateur. Bon, je vais le faire dans l'ordre. Ça débloque empoisonnement, mais ça débloque aussi sans doute deux, trois trucs en lien avec les nouvelles cultures. Non, alors je vais faire d'abord ça, parce que ça, c'est quand même mieux de les avoir. Donc, toutes les nouvelles cultures, champs d'herbes médicinales et champs de graines. X, d'accord. Ça permet de faire des. Ah oui, ça permet de récupérer des herbes médicinales, y compris en été. Ce qui est plutôt sympathique. Et champ de graines. D'accord, histoire de faire. De générer plus de graines d'un coup, sans doute. Très bien. Hop. Vous ne générez pas grand-chose ici. Toi, tu es en train de finir là, c'est très bien. Toi, tu me génères un autre outil. Bon, écoute. Quand c'est fait, c'est plus à faire. Je peux reprendre un peu d'avance sur la chaleur. Est-ce que j'aurai un autre event? Alors non, je vais pas avoir d'autres events de chaleur avant belle lurette. Juste, j'en aurai un au moment du changement de saison. Ok. Dans l'immédiat, lui, je vais pouvoir le libérer. Allez me faire un bébé ici. Là j'ai des bébés, là j'ai des bébés. Ah tiens, mais j'ai une tente que je peux améliorer encore. J'avais pas vu. Oui, il est là. Bah désolé Squash, mais tu vas d'abord venir là. Squash ne fera pas de bébé aujourd'hui. Je peux concevoir sa tristesse. Donc là, je récupère pas mal de citrouilles, mais j'en ai besoin parce que comme je ne génère plus de tomates pendant un certain temps. Alors, je vais pouvoir ici casser ceci. Je pourrais aussi. Bon, ce sera pour le prochain tour.
Les pommiers, ils mangent pas forcément en mettant là. Qu'est-ce que j'ai débloqué là? J'ai débloqué. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Il faut que je le fasse, ça. Ça coûte 4 de bois, je les aurai. Alors, ça se met à côté d'un bois. Par exemple, ici. J'ai quelqu'un à bosser dessus, non? Eux, ils font des bébés. Qu'est-ce que je peux libérer dans l'immédiat? Toi, je peux te libérer dans l'immédiat. Je préfère que tu me fasses ça. Chambre, ça va. Ok. Alors, nouvelle recherche. Alors, je peux me faire des générateurs d'eau. Ah non, je peux pas les faire parce que j'ai besoin de bronze pour cela. Et je n'ai pas débloqué le bronze. Ça, c'est printemps, été, automne. Bon, je ferai 100 pour cet hiver. Pourrais générer les vaches. Je pourrais aller chercher ce qui me permet de se débarrasser de des cases de forêt. Potentiellement assez utile. Celui-ci qui génère du bois à partir de chanvre. Un meilleur récolteur de pierre. Ce serait pas mal. Pareil, histoire de prendre moins de tours sur la production de pierre, si j'en ai besoin. Peut me permettre de libérer. Alors, un autre event, ça doit être ça, l'événement. Alors, ils sont angoissés. Alors, Brano est angoissé, un aspect augmente en permanence de 1. Et il obtient le trait impulsif. Alors, angoissé, je peux le guérir, mais pour ça, il me faut une infusion que je n'ai pas. Alors, soigner angoissé, non. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas? Abandon, requiert production d'espoir dans 1. Scheiße. Je ne génère plus d'espoir ici. Merde, oui, bien. Ça, je peux pas le faire. Stand de relaxation. Ça génère pas des. Oui, c'est ça. Je peux mettre. Tente de la paix, mais non. Construction de social. Qu'est-ce qui est social? Ça, c'est social. Donc, il faudrait que j'en mette un là, en fait. Un autre stand d'artiste ici. Au revoir les petits lapins. J'ai lui, ça me suffit. Il faut que je remette mon coutelier ici.
Donc là, je consomme 4 de champ, mais j'ai plus besoin dans l'immédiat. Je suis à 100%, j'ai un tout petit peu d'avance. Alors, par contre, je pourrais éventuellement me dire. Bah, du coup, je peux pas soigner mon angoissé. Pas assez d'infusion, et oui. Il faudra 4 tours avant qu'il soit construit. Et j'ai besoin de plein de bois. J'ai tout juste ce qu'il faut. C'est toujours du flûte en but. Hein. Là, je peux refaire un baby. Alors, Poro, tu vas aller finir de me récolter ça. J'ai encore un pips qui fait rien. Eh ben, si, tu vas faire venir là pour récolter des herbes et médicinales. Oui, par contre, je peux éventuellement changer. Voilà, je peux mettre. Alors, par contre, il faut que je forme un guérisseur. Il faut que je forme un guérisseur. Qu'est-ce que je peux former? J'en ai que 3 qui n'ont pas de métier là. Ah non, éventuellement là. Bon. Hop. Avant de faire un baby, ça attendra un tout petit peu. Du coup, j'ai un gars en plus. Et ben, je vais lui faire faire du bois parce que j'en consomme pas mal. Des graines. Ou des graines. Ah merde, ça n'a pas été planté ça. Ah, de bouse. Ah putain. Non, pas ça, ça. Je pensais que c'était fait. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Tu vas pas récolter ton chanvre. Tac, il va me planter ça. Impossible d'arrêter l'action tant qu'elle n'est pas terminée. Ben c'est bon alors. Ok. Marchand de citrouille. J'avais mal vu. J'avais mal compris. Bon, je vais arrêter de faire un outil de plus. Tiens, je peux améliorer ma tente. Donc là, je génère un peu de soins. Très bien, là j'ai terminé ce producteur de bois. Hop, ici, j'ai pas besoin dans l'immédiat. Mais par contre, lui, il va bientôt avoir terminé, donc il basculera ici ensuite. Ah oui, ma limite maintenant, c'est 80, c'est plus 40. Voilà. Bien. Je suis bien. En eau, j'ai pas beaucoup de marge. Trois tours ici, un tour là.
Fabrique de bandages, j'en suis pas fait du coup. C'est là. Ah non, oui, j'ai toujours pas fait la fabrique de bandages en fait. Et je devrais. Qu'est-ce que je fais avec mon petit dernier là? Va ramasser de l'eau. Ouais, dans la chambre, ça va. Allez. Très bien, je termine ici. Donc, je vais pouvoir commencer à fabriquer du papier. Mais ça va me consommer du bois. Alors je vais désactiver celui-ci. Hop, et je vais relancer une formation là. Là, j'ai ce qu'il me faut en formation. Là, je récolte ici. Bah, je pourrais faire un autre baby. Ouh, merci, Avriette. Salut, Squash. Merci pour le raid avec un groupe de 71. Mais c'est énorme. Salut tout le monde. À quoi est-ce que vous jouiez? Avec tes 71 followers. C'est quoi mon jeu? Mon jeu, ça s'appelle Dotage. Et ouais, c'est cool. Vous avez joué à Abelions, d'accord. Bonsoir Iria-chan, bonsoir Biwid, bonsoir Bubok. Ouais, ça s'appelle Dotage, c'est un jeu qui est relativement récent, il est sorti début octobre. C'est un jeu de gestion, survie, construction de ville. C'est un jeu où on fait des bébés, c'est un jeu où on a plein de petits lapins, où on a des citrouilles pour manger, on fait de la recherche pour s'améliorer, on fait plein plein de choses. Donc voilà, il y a une grosse partie gestion de ressources. Un peu en flux tendu. Alors oui, il y a de profondeur, oui, il y en a. Les lapins, c'est de l'amour pour Azriette. alors, en termes de concept, en fait, on lutte contre l'apocalypse. Donc, on a régulièrement des events qui sont assez chiants, qu'il faut arriver à contrecarrer, qui est un système de protection et de menaces. Donc il y a quatre domaines dangereux, on va dire. Il y a le domaine de la maladie, le domaine de la peur, le domaine du froid ou de la chaleur selon les saisons, le domaine du cataclysme. Salut Ouattkajou. Lapin plus construction plus survie, son prochain jeu Azriette. Voilà, donc il y a des domaines contre lesquels il faut lutter, donc il faut générer des points positifs, donc il y a différents bâtiments qui vont permettre de générer des points positifs, donc qui vont générer de la protection. Et puis bah, une menace qui est plus ou moins grande dans chaque domaine. Et la menace, quand le domaine est actif, pour une raison ou pour une autre, donc là par exemple le domaine de la peur est actif parce que j'ai un personnage qui est angoissé, que je ne peux pas soigner encore pour l'instant, mais je vais bientôt pouvoir le faire. Voilà, donc là actuellement j'ai un bonhomme heureux et puis un bonhomme angoissé qui se contrecarre. Ouais, il est assez joli, assez coloré. C'est une alpha. Non, non, c'est un jeu qui est sorti. Alors, c'est un jeu qui est sorti avec des perfections à portable. C'est un jeu qui est développé par un gars tout seul, c'est par un Italien. Il développe son jeu depuis 2015.
Et voilà, le gars, il a bossé tout seul, et puis bah, il est plutôt content parce que bah, son jeu fonctionne plutôt bien. Il est à plus de 95% de positif en critique sur Steam, avec pas mal d'évaluations. Et de fait, c'est mérité, parce que c'est vraiment un chouette jeu. Hop, voilà, je vais leur faire des bébés. Ouais, les retours sont vraiment très positifs, et franchement, c'est vraiment un jeu cool. Le gars, il a fait son truc, pas à la One Again, hein, je pense qu'il a beaucoup réfléchi avant de se lancer dedans. Et ouais, il y a plein d'animations qui sont super jolies, il y a plein de... C'est vraiment ça... C'est chouette, c'est vraiment un chouette jeu. J'aime beaucoup, j'accroche beaucoup. Et ouais, c'est du si tu veux en tour par tour, effectivement, j'ai pas précisé ça. Et ben, il n'y a pas de quoi. On a déjà sur la chaîne du signe. Alors, vous pouvez. Voilà. Vous avez notre Discord, vous avez notre chaîne. Non, c'est pas slash, c'est pas ça. Je sais plus, c'est quoi la consigne? C'est, je vais le retrouver. Non, il n'y a pas. Bon, sur YouTube, vous avez les. Ah! Sur YouTube, vous avez les. Un replay, hein, du début du run. Que vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez. Non, non, c'est vraiment. Vraiment, il est vraiment bien ce jeu. Je le trouve vraiment cool. Voilà. Alors, j'ai du chanvre. Il y a même des fumeurs de pétards pour ceux qui aiment bien ce trip-là. Je peux, pour générer de l'espoir, je peux aller fumer un ou deux pétards en chanvre. Alors, j'ai mes graines, j'ai mon herbe médicinale, j'ai mon papier qui va arriver. Je commence à consommer du bois pour faire du papier. Ok, je vais pouvoir bientôt faire des pansements. Tout le monde est occupé, et ben je vais passer mon tour. Salut Canton, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas croisé. Depuis que je fais plus de stream sur Discord, sur RimWorld, tu me boudes. Étalage de bandages. Alors, des bandages. Hop. Pour améliorer Canton. Waouh, ouais. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Requiert production de santé dans une tuile. Signe aussi, tout à fait. Pas mal de boulot. Aïe. Drame le boulot. Il suffit de se mettre en vacances. Là, j'ai bien une production de plus 2, si je génère des bandages juste à côté. Donc, on est parti. Ces deux trucs qui sont bien en synergie. Et désolé pour. Ou alors, sinon, je. Ah non, lui, il faut pas que je le supprime. Parce que je fais mon cuir là. Eh bien, je vais supprimer ce pommier là. Lui, de toute façon, je peux pas l'interrompre. Prochaine vacances en 2024. Aïe, aïe, aïe. Tiens, c'est ça qu'il faut que je replante. Car popopom. Oh là là, je sens une annonce là. Oh, ça va le pensionnaire. La ramène pas. Notre super pensionnaire.
Et ben alors il faut que je relance une recherche. Donc j'ai fait ça. Cabane de l'herboriste pour générer plus d'infusions. Ouais. Ça je le connais pas, je sais pas ce que c'est, mais ça génère du. Comme mes parents ils n'ont plus de temps pour eux, toujours en voyage. Qu'est-ce que t'as profité pour en faire? Vas-y, tu nous tiens en haleine avec ton popopom. Ouais, développer le faiseur de tissu. Pas de pensionnaire, mais pensionné. Oh là là, pensionnaire, c'est pour les maisons de retraite. Je vois ça, admirable. Donc, allez, on passe le tour. Bon, en vrai, Montaner, j'aurais pu le mettre ailleurs, mais c'est vrai que là, il y est, donc. Polo a atteint l'âge adulte. Allez, ça y est, ça c'est plus abandonné, donc ça refonctionne. Et je vais pouvoir donc générer des bandages là. Centre de stockage pour petits vieux. Hop. Lui, il sera formé bientôt. Je sais pas quand. Tiens. On va bosser ici, il va générer un peu d'espoir. On reste dans le positif. Encore deux. Allez, va me faire un bébé. Ah, je pourrais aller récupérer mes tomates aussi. Ça va. En vrai, ça va aller en bouffe. Je savais que ce jeu pouvait plaire à Azriette. Donc, si j'ai le raid, elle va craquer, je le sens très bien. Merci, Squash. Merci pour d'avoir suggéré ce raid. Une excellente chose. Et de toute façon, ce jeu mérite qu'on en parle. Mérite de se faire connaître. Et ah, que se passe-t-il? Oh, c'est de la neige. Neige apparaît sur deux terrains. Fait chouin. Alors bon, c'est pas très grave. Bon bah c'est. Et Azriette, tu streams sur quoi habituellement? Ah, je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse, mais il y a de l'espoir. Nous pouvons le combattre. Futur événement. Boum, putain, plus 16. Ouf. Sur son PC en général. Ok, merci, merci. Qu'il est con. Ouais, bah, tu me diras. Je ne ferai pas de commentaires, mais je n'en pense pas moins. Hop, allez, on va former des gens. Hop. Anno. Verbillions en max difficulté. Tiens, c'est une copine. C'est une copine de Xebus. Mais bienvenue sur le live qui est con quand même. Bon, alors là, quand même, c'est pas la même. Je pourrais peut-être soigner mon angoissé. Ce serait déjà ça. Pas de patient disponible. Ah merde, c'est lui, mon patient. Bah attends. Hop. Allez, soigne ton angoisse, mon coco. Ça ira mieux après. Ça me fera toujours un de moins de générer. Putain, plus 8 de difficulté. What the fuck? Allez, on va fumer des joints. S'entendra bien avec Zebus. D'accord. Ok. Squash, en fait, t'es un peu l'entremetteur de Twitch, c'est ça?
Alors, on va générer un petit peu plus de d'espoir encore. Des graines, j'ai tout ce qu'il me faut. Hop, par contre, un peu plus d'espoir, histoire d'être sûr de contrer tout ça, c'est mieux. Pourquoi est-ce que lui génère deux alors que lui ne génère qu'un? Une bonne question. J'en sais rien. J'aime faire connaître les chaînes que je suis. Je ne ferai compte que des gens bien. Oui, t'as raison. Puis en plus, sur les jeux du cygne, il y a différents gens bien en plus. Bon, il y a quelques gens bons aussi. Mais et moi aussi, je peux faire des jeux de mots débiles. Pardon, désolé. Promis, j'arrête. Je ne le referai plus. Je disais d'aller choper des tomates. Je sens que tout le monde n'approuve pas l'humour con. Fiche-moi deux colonnes, coco. Il n'y a pas de gens bien que des gens bons. Je l'ai faite avant, Caneton. Désolé, mais là, t'es en train de retard. Eh ouais, mais c'est l'avantage de l'oral par rapport à l'écrit. C'est que quand les sorties. Quand les codes. Quand. Ben, je vais y arriver. Quand les conneries sortent, elles peuvent sortir en instant. C'est sûr qu'il est con. Alors en flotte, je suis redevenu un peu. Oui, en flotte, ça va, je suis mieux. Hop. De toute façon, je vais. Attention, Belgique, on a un ministre Jambon. Yann Jambon, ouais, mais les Belges, ils font toujours des trucs un peu bizarres. Hein. C'est pas de leur faute, ils sont Belges, mais. Sens que je vais m'attirer des problèmes. Qu'est-ce que je fais de mon dernier là? En chaleur, ça va. Et nous, un président macquart. Mais tellement. Hop. Allez. Bon, il va falloir que j'aille rechercher le truc pour retirer de la neige. Ma quel con. On ne fait pas de politique par ici, s'il vous plaît. On n'est pas là pour discuter de ça. Alors, est-ce que ouais, je vais peut-être faire garder quelques infusions d'avance. Donc là, en santé, c'est bon. J'ai largement ce qu'il me faut dans l'immédiat, donc j'ai plus besoin de le mettre là, lui. Même les bandages, je vais pas en faire 50. Tiens, je pourrais faire un bébé. Allez, au boulot. Au boulot. Back in peace. Oh là là. Et il y a du niveau. Il y a du gros gros niveau, les gars. Je vous sens très très en forme. Ok, donc là je génère plus 17 d'un côté, plus 14 de l'autre. Donc tout va bien. Je vais terminer de construire ça, même si j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Si j'ai besoin de faire plus de recherches un jour, je serai content. Et tout le monde est occupé. Là, il faut que je détruise. Faire de la gestion de colonies, c'est faire de lab politique. Manneken Pis, un petit garçon avec une grande pression, car il a sauvé Bruxelles en été d'un incendie en pissant dessus. Ouais. On dira pas ce qu'il y avait dans son biberon. Enfin, si, on va le dire parce que tout le monde le sait, en fait. Non, je veux pas réparer, je veux détruire. Là aussi, je vais détruire. Là, j'ai un baby. Là, j'ai plus de baby. Allez, hop, allez faire l'amour dans la neige. Là, hop, tout le monde est occupé. Ah, il me faut là. Urgentissime.
ça dans l'immédiat. Si, parce que ça, je peux en récupérer que à l'automne. Les bandages, c'est pas immédiatement urgent. Va me replanter des citrouilles. Hop. En chanvre, plus 3, moins 3, ça me laisse un peu d'avance. Ok. C'est aussi un personnage dans la BD Astérix, effectivement. Oui, Astérix chez les Belges, bah oui, forcément. Que se veulent-ils? Oula, ils le menacent avec un couteau. Attention, tu vas te couper si tu te joues avec un couteau. Ce sont les bons conseils du médecin. Meilleur vœu. Oui, ça n'a rien à voir, mais. Des animations un peu bizarres. Ah. Alors. Hop. Bim. On retourne chercher de la citrouille. Plus 17, plus 14. Tout va bien. Ah merde, lui, il a continué à me. Bon, pas très très grave. Allez, on va refaire des babies ici. On va aller récolter un peu de tomates là. Alors, du bois, ça va, je suis bien. En outils, il reste à faire ses outils, c'est bien aussi. Ça, franchement, c'est un bâtiment de quoi? En quelle catégorie? C'est un bâtiment santé. Ouais. C'est le buffet de la paix. Citrouille, ça fait vraiment Halloween. Oh, punaise. Celle-là, à mon avis, elle est pas de toi, Canton. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, elle est pas de toi. Bon, je vais le laisser, mais. Pas sûr d'en avoir vraiment besoin. Attends. Fabricant de tissu. En fait, je pourrais améliorer ça surtout. J'avais pas terminé. La cabane du tailleur de pierre, non. Je croyais. Va me ramasser quelques cailloux. Hop. Là, je refais du papier. César avait déjà tout compris. Il avait écrit dans la guerre des Gaules, Aurum omnium fortissimi sunt belgae. Il n'y a plus rien à ajouter, c'est QFD. Sans doute. Connaissances en latin sont assez limitées, mais je te crois. Allez. Alors là, on voit une menace de 7. Ouais, c'est pas un point point quand même. On voit qu'il faut quand même avoir pas mal d'avance hein, si on veut pas être trop emmerdé. Ouh, aversion. Génère 5 de peur. Ola n'aime pas Pimbo. French, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus. Ah oui. Je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse, mais il y a de l'espoir, nous pouvons le combattre. Allez, un petit événement en santé. Fabricant de tissu terminé. Alors, on est parti sur le chasse-neige. Alors, le fabricant de tissu qui fait du chanvre en tissu ou des plumes en tissu, etc. Alors, requiert social dans une tuile. Ouh, je sens que j'ai pas beaucoup de candidats possibles.
Alors, social. Social, c'est soit le banc de relaxation, soit le stand de relaxation. C'est un peu la crise du logement quand même, hein. Là, j'ai pas besoin d'en avoir trop. Hop. Je vais essayer d'enlever la neige et ensuite la cendre. Je vais me faire un autre chercheur. Un autre druide. Ah merde, il faut que je fasse encore de l'espoir. Pour être à 100%, c'est bon. Ah merde, c'est lui. Ouais, il faut que j'arrête de faire du cuir là. Il faut que je pense là, quand il aura terminé. Rappelez-moi au prochain tour qu'il faut que j'arrête de faire du cuir. S'il vous plaît. Une population de 21, c'est quand même nettement mieux qu'avant. Toi, tu te formes en druide. Très bien. J'arrive tout juste. Alors non, même techniquement, en fait, je vais plutôt faire ça. Ça me consomme de la bouffe, mais je suis... non, alors pas forcément des baies. Un petit coco, fais-moi plutôt des tomates. Non, des tomates, pas de la pomme. Tomates. Non, tomates, je peux pas. Fraises, je peux. Attends. C'est bon. Non, il peut pas. Pas assez de pommes. C'est forcément un fruit. Ah non, ça peut être des tomates. Latrine se lave. Ferme la boucle du Manneken. Ferme la boucle. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ah, celle-ci n'est pas de toi. Je m'en serais douté. Bien. Donc là, ça va le faire sans trop de difficultés. Oui, en fait, j'ai pas besoin de faire de dépenser de la bouffe pour rien. Allez, zou. Good. Faut que j'arrête de faire de ça. C'est non, mais lui au départ, je l'avais fait juste pour pouvoir lancer ça. Mais heureusement que je l'avais fait. Hein. Sinon, j'aurais été dans la meme. Alors, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je vais gagner? Ouais, on est trop content. Quelques pibes deviennent heureux ou alors je gagne 30 pommes. Je sais que ça va être chaud sur le bonheur, donc heureux, c'est très bien. Ils sont tout contents, ils font la fête, ouais! Je vais arrêter les pansements, je vais arrêter le cuir. Hop, voilà. Là, je dois pouvoir refaire un baby. Et je pense que je vais, j'ai plus de place pour refaire d'autres baby. Hein. À mon avis, toutes mes maisons, elles sont complètes. Donc maintenant, rien ne m'empêche de faire de nouvelles maisons pour agrandir mon territoire. Hop, je peux reprendre un peu d'avance en eau. Ah non, j'ai pas de travailleur disponible. Bon, c'est trop prochain tour. Alors, j'ai pas besoin aussi, parce que ça, clairement, j'ai pas besoin de les dépenser là-dessus. Plus 25, je vais économiser du chanvre. Plus 20. Ah ouais, là, on... Plus la menace est élevée, c'est 3 fois la menace. Donc, il faut que je génère 21. Ouais, c'est ça. Si j'ai 21 d'avance, il faut que j'ai 21 d'avance en fait pour pouvoir rester à 100% de protection.
En graines, ça va, donc du coup je vais me refaire un peu d'eau. Des infusions, un peu d'avance, ça peut toujours servir. Donc là j'ai mes trois chercheurs, donc je génère 12 de recherche, et ben je vais même en faire un quatrième, soyons fous. Je suis totalement ouf. Hop. Du papier, j'en ai pas besoin pour l'instant, et j'en génère pas mal quand j'ai besoin d'en générer. Alors, je pourrais me dire. Ah non, parce que j'ai besoin de foin pour les vaches. C'est vrai. Et les vaches et le foin, je ne l'ai pas encore recherché. Même pas. Même si elles lui sont attribuées à tort. Lequel de Grand Charles? Un plus produit général estimé dans la paternité est assez. C'est qui le Grand Charles? Rappelez-moi. Ah, Charles de Gaulle, pardon. Excusez-moi. Ok. Normalement, j'ai 6 tentes. 6 fois 3, 18. 18 et 7, 25. Donc, je peux aller jusqu'à une population de 25, normalement. Je vois que nous avons été maudits. Un présage nous guette. Quelque chose de terrible va arriver. Alors, présage en cataclysme. Ce sera le premier, puisque le niveau de menace n'a jamais augmenté. Avec mes 76 d'avance, en fait, j'en génère en passif dès que je fais des plantes. Donc, je m'en cogne un peu. Je vais améliorer mes sources ici. Parce que si j'ai besoin de flotte, ben je serai content de pouvoir en récolter plus rapidement. Et comme là, je suis plus en tension, alors que j'ai quand même vraiment été sous tension pendant un certain temps. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire une maison là. Ce qui me permettra de virer mes deux. J'aimerais vraiment la direction. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est mignon. C'est mignon sans être niais-niais, parce que les trucs trop mignons, généralement, ça tend à me gonfler. Mais ouais, enfin, franchement, c'est vraiment un jeu qui vaut le détour, quoi. Enfin, y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, je vais le virer. Eh ben, j'ai personne pour le virer. Là, je vais me faire une tente. Je vais refaire une tente là. Comme ça va couvrir. Ah, attends, et ça va où? Maintenant que. Alors, ça gère jusque cette case-là. Et celle-ci. Ah non, donc celle-ci, en fait, je peux la virer. Techniquement, j'ai plus besoin de ce panneau-là. Et cette maison-là me permettra de virer ces deux panneaux-là. Très bien. Ouais, le gars a vraiment fait un bon boulot. Et c'est quand même cool de voir des gens qui savent bosser, quoi. Quand on compare ça avec tous les jeux sortis avec à coup de millions d'euros parfois, au moins dizaines ou centaines de millions, peut-être pas millions d'euros, mais
millions d'euros, j'exagère un peu. Mais... C'est clair que bah, il n'y a pas forcément besoin de gros moyens pour faire des trucs chouettes. Donc ça, je le fais tomber. Ça me permettra un peu plus tard de générer. Je vais pouvoir générer plus de citrouilles. Ça me permettra ici de. Je vais. Ouais, mais quand. Toujours pareil. Il faut que j'attende de. Il faudra que j'attende le prochain printemps pour générer du foin, pour générer. Pour pouvoir avoir des vaches. Donc là, on continue. En santé, je suis large. Il me reste un Jean. Je dois pouvoir me débarrasser d'un ou deux panneaux, je pense. Ah, peut-être pas. Si ce panneau, je dois pouvoir m'en débarrasser. Non, pas forcément. Voilà. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Aller chercher. En graines, en champs, allez, va chercher plus de graines. Hop. Comme Yves, les trucs chouettes. Yves, ouais, tout à fait. Yves, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mascotte des Jeux du Cygne. Une chouette. Alors, ça, je peux le faire disparaître aussi, et je peux refaire un baby du coup. Hop. More babies. Je vais prendre un peu d'avance sur ma génération de chaleur. Parce que quand l'hiver va tomber, je serai content. Ah, tap, 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 tap. Urgentissime, allez. En bois, ça va, je suis large. Ça, faut pas rater le coche. Je me demande presque si je pourrais pas en faire un autre de champ de citrouille, en fait. Tac. Hop. Le plus gros reproche qu'on puisse faire à ce jeu, je pense, bon, c'est d'abord, on sent que c'est un jeu qui est fait par un type qui est vraiment, enfin, voilà, qui a plein de bonnes petites idées qu'il a réussi à mettre côte à côte. Mais voilà, il y a des trucs, on sent que c'est un peu brouillon parfois. Et un autre petit reproche, ouais, c'est que le jeu a tendance à être un peu longuet. C'est-à-dire que bon, vraiment j'ai galéré là au tout début sur les là je suis au jour 105 on va dire sur les 60 premiers jours j'ai vraiment galéré c'était ouais c'est ça le passage à l'automne enfin ouais les premières saisons ouais, c'est ça en gros les 50-60 premiers jours j'ai vraiment galéré Ensuite, ça a été assez tranquille. Alors, je peux virer la neige. Touk. Hop. Et je pense qu'effectivement, bah, je n'aurai pas trop de difficultés à partir de dorénavant. À mon avis. Hop. Je vais pas. À partir du moment où voilà, on a réussi à se faire un petit stock de. Un petit stock de tous les trucs essentiels. Normalement, ça va. Donc, je ne veux pas de vache encore. Toi, je vais t'améliorer aussi. Hop.
Un grand feu de bois. Hop. Et je vais prendre un peu plus de chanvre. Ok. Ok. Alors, recherche. Alors, je vais pouvoir virer la cendre. Je vais générer 16 de recherche par tour. Ça commence à être correct. Je sais que là en santé, je suis à peu près protégé. En peur, je suis. Bon, j'ai de l'avance. J'ai besoin d'avoir 21 d'avance. Je suis large. Normalement, je suis large. Là, je génère 6 en passif. Voilà, je génère 6 en passif. Je tue pas de petits animaux. Ok. Voilà, donc j'ai tous mes chercheurs qui sont OP. Je vais me refaire une maison ici. Parce que route 3. Ah non, ça fait pareil. En faisant une maison ici. Ah non, si je. Faut que je la fasse là. Il pue le lapin. Ouais, il y en avait beaucoup sur la carte au tout départ en fait. En même temps, c'est important parce que ça. Bon, c'est. C'est nécessaire parce que je ne peux au début, en tout cas, et pendant très longtemps. Ne générer de recherche que grâce à des emplacements ou des totems, et il faut qu'il y ait des animaux à côté. Et voilà, les premiers totems génèrent un seul de recherche, les deuxièmes totems améliorés génèrent deux de recherche, et cela génère un plus un par terrain animal adjacent. Donc voilà, là, comme j'ai trois. Trois lapins côte à côte, enfin, pardon, plutôt en V, trois lapins en V, ben ces grands totems peuvent générer 4 de recherche. Et c'est vraiment indispensable en fait. On peut difficilement s'en sortir sans ça. Plus de bois, coupons du bois avant l'hiver. Hop, tomate. Tomate, ça pousse. Et citrouille, ça pousse aussi. Et c'est bientôt la fin de la citrouille. Eux, ils sont en bonne santé, donc ils me génèrent des points en plus. Qu'est-ce que je fais de mes trois gens? Eh ben, allez me chercher du chanvre. Parce que quand j'en aurai besoin, je serai. J'ai pas mal de trucs qui peuvent consommer du chanvre quand même. Dans cette. Avec ce personnage-là. Là, je génère des outils. Qu'est-ce que je pourrais construire que je n'ai pas construit? Un fabricant de tissu. Ouais, typiquement, lui, il va me bouffer du chanvre. Alors, requiert, on avait dit social dans une tuile. Et défrichement jusqu'à une habitation. Et social, on avait dit que c'était soit le banc de relaxation, et j'en ai là et là, donc c'est coincé, soit le stand de relaxation, et c'est là. Et ben, je vais détruire ça. Je vais le mettre ailleurs. Pour pouvoir mettre mon banc de tissu à côté. Comme les lapins, ça ne manque pas. Eh bien, je vais en profiter. Et j'ai encore une habitation, enfin un monsieur. Hop, je vais aller chercher ces champs-là. Bim. Hop, là, j'ai des tomates qui sont de nouveau opérationnelles. Ok, là j'ai pas besoin de générer plus
chaleur que ça, j'ai un tout petit peu d'avance, c'est juste ce qu'il me faut. Les tomates, ils sont dedans, j'en ai un qui est dispo. Si je refais une maison ici, 1, 2, 3. Non, je fais retirer ce pommier. Ouais, je vais retirer ce pommier et je vais mettre une maison ici. Ce qui me permettra d'utiliser cet emplacement-là pour autre chose. Ou là. Non. Je vais mettre une maison en effet, mais je vais la mettre ici. Ça me permet d'avoir deux accès supplémentaires à l'eau. Là, 1, 2, 3. Ok. Je vais pouvoir tirer mes trois de cendre. C'est l'événement de présage. Un dégât infligé à deux bâtiments. Ah, la menace cataclysme augmente en permanence de 1. Où est-ce qu'il m'a infligé des dégâts? Ici et là. Okay. Et ben on va aller les réparer. Et on va pouvoir retirer les cendres. Alors. Pas besoin de plus d'eau que ça. Alors, on peut retirer les cendres. Touche Shift appuyé, ça permet de faire plusieurs fois la même action. Blum. Ah, là où j'ai retiré de la neige, c'est marrant, c'est pas le. L'herbe n'a pas la même couleur. Bien, et ben. Tac. Alors. Donc j'ai recherché ça. Je vais terminer la cabane du tailleur de pierre. Je voudrais utiliser ces territoires-là, ils seront plus crades. Il faut que je répare. Ouais, ça coûte du bois. Ça coûte du bois. Un bébé de plus ici. Merde. Où est-ce que j'ai un animal là? Pourquoi est-ce qu'il me dit? J'ai pas d'animaux domptés. Ouais, de temps en temps, il y a des petits bugs quand même. Ah non. Plus tard les babies, on replante ça, on replante ça et ah c'est marrant ça aussi c'est un bug. Là c'est les bâtiments que j'ai détruits. Je vais peut-être faire un petit screen et un petit report. Là il y a des bâtiments que j'avais détruits et qui avaient été endommagés et en fait on voit encore l'animation de l'endommagé. Alors que j'ai supprimé les bâtiments. Du coup. Bon, là, ça va. Eh ben, allez, hop, un bébé de plus.
Je sais pas si ça va me générer de la peur, ça. Je vais voir si j'ai un plus 5 qui apparaît. Ah bah oui. J'ai un bestiau qui est mort, mais je sais pas où. Alors, je vais pouvoir améliorer ma cabane au Canada. Je le sens dans mes os. La prochaine saison arrive à grands pas. Préparez-vous. La cabane du tailleur de pierre. Alors, dans 5 tours, c'est l'hiver. Hop. La cabane du tailleur de pierre, ici. Donc en hiver, je ne pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire du citrouille. Oui, donc quelque part, c'était un peu con de faire ça. J'y ai pas pensé. J'aurais pu m'en passer. Alors, est-ce que je pourrais aller chercher? Donc j'ai déjà prévu ça. Plus d'eau, ouais. De souvenirs, je prendrais beaucoup d'avance. Construire des serres au décès, et je ne peux pas. C'est pas que je voudrais pas, mais alors je peux faire un chaudron. Le chaudron, c'est la base de la bouffe en hiver, en théorie, mais là je vais. Production d'eau et habitation. Alors, soit trois légumes, un œuf, une viande, un lait et de la farine. 22, voilà. Ouais, je vais aller chercher le chaudron. Quand même, si jamais je me retrouve en galère de bouffe, je serais content de l'avoir. Hop, allez, un petit bébé ici. On continue de prendre de l'eau. Là, c'est bon. Là, on améliore. Là. Il faut ramasser un maximum de citrouilles avant la fin de la saison. Et un maximum de tomates également, ouais. Ouais, je vais quand même. Il faut que je fasse gaffe que. Ouais, quand même bien que j'aille chercher le chaudron. Qu'est-ce qui peut produire ces choses-là, les cuisiniers? Ben, il n'y a que les chaudrons. Ouais. Un barbecue, mais je ne l'ai pas débloqué. Qu'est-ce que je fais de mon dernier gars? Là j'ai du monde, là j'ai du monde. Là j'ai personne. Hop. Peut-être pas être très très large en bouffe quand même. Les bébés sont en route. Rah. Je commence à plus rien avoir à leur faire faire. Alors, je peux construire d'autres bâtiments. Là, on a dit. Ah oui, je peux construire là. Requiert des friches, chemin jusqu'aux habitations. Alors, tac, je vais avoir besoin de chemin jusqu'à une habitation. Et ben, là, par exemple. Et puis, si j'en ai encore un qui fait rien, ça tombe bien. Hop, là aussi.
Il va falloir très vite que je me mette au navet pour l'hiver. Là, il faut que je forme quelqu'un. Ah, les outils. Mine de rien, j'ai un tout petit peu de mal à me les faire. C'est vrai que je ramasse plus de cuir. J'ai plus de ramasseur de cuir potentiel. Je pourrais m'en faire là par exemple. Là par exemple. Si besoin, je serais content d'en avoir. Le chanvre, ouais, je vais bientôt être limité parce que là, je pourrais plus rien faire pousser. Tiens, ça, je peux le détruire. Normalement, ça, je peux le détruire. Qu'est-ce que je vais avoir en trop? Trop d'eau. Ah. J'ai trop d'eau, c'est pas la peine que j'en ramasse. Ah non, parce que je peux plus construire de maison, donc j'ai pas intérêt à casser ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ces deux-là? En bois, je suis à combien? Je suis à 61 plus 13 moins 8. En citrouille, ok. Là, de toute façon, je ne peux pas le faire pousser parce que c'est pas l'hiver. Construction de pierre, c'est pas la peine que j'en fasse plus que ça. Ici, bah lui, c'est parti. La maison, le pâturage, tout ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Est-ce que en prévision de pierre sociale dans 1. Non, plus 2 si construction sociale dans 1. Peut-être me faire un autre truc social parce que quand même j'ai peu d'emplacement. Là c'est limité à la flotte. Et ça, il faut que je génère. Et ça, je peux pas le faire à 50 endroits non plus. Ah tiens, c'est marrant, ça a disparu sur l'une des deux tuiles. Alors, ce lapin-là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais faire ça là. Comme ça me libère, ça me crée une zone potentielle où je pourrais faire quelque chose. Et puis, ah oui, je me disais peut-être faire un autre constructeur de d'outils. Mais là, c'est pareil, je suis un peu tout coincé. Alors, du coup, tac. Un autre constructeur de bois. Je vais faire par exemple. Par exemple, là. Et après ça, je pourrais faire un autre fabricant d'outils au prochain tour. Et sous les chats pour le social bonheur, chasse aux nuisibles. Eh bien, il y en... Alors, il y a un VIP. Il y a un VIP qui est un chat. Donc, je pourrais l'avoir sur un event, en fait. Et je crois que ça génère, de mémoire, ça génère en passif, effectivement, du bonheur. Je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse, mais il y a l'espoir, nous pouvons le combattre. Bon, cet événement, on commence à le connaître. Hein. Alors, le chaudron.
Le chaudron. Donc dans 5 jours, je pense que ça va aller. Je vais être suffisamment large de ce point de vue-là. Donc je vais pouvoir utiliser, bah, ce sera de l'eau avec des plantes. Alors, plus 2, 6 constructions d'habitation dans 1, 6, plus 1, 6 constructions de 6 productions d'eau. Et ben j'ai pas d'endroit où je peux produire de l'eau et être à côté d'un bâtiment. Il faudrait. C'est chiant cette restriction. Ah, ou alors sinon, il faudrait que je mette un producteur d'eau là. Gasp! Il me faut du cuivre, j'ai pas de cuivre. Merde. Merde, 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 merde. C'est le drame. Il me faut du cuivre, donc il me faut ça et ça. Bon, bah, j'aurai pas de chaudron tout de suite. Échec. Alors, je vais anticiper, du coup, je vais mettre. Donc, c'est là, c'est là. Je vais mettre ça ici. Est-ce que j'en ai du cuivre? Ou est-ce que peut-être que je le vois pas encore? Peut-être c'est quand j'aurai découvert quand j'aurai fait cette recherche-là que. Hop là. Je ramasse trop d'eau. Hop. Et j'ai 4 gens. Là. Hop. Je peux pas parce que j'ai des bébés qui grandissent. Alors là, je vais pas reconstruire. Par contre, du coup, j'ai vu qu'il fallait que je supprime avant. Oui, parce que c'est pareil là, en fait, il faut que je supprime. Bah, je peux pas le supprimer. Je vais pas pouvoir le supprimer parce que parce que je peux pas le supprimer. Parce que le jeu ne veut pas que je le supprime. Alors j'ai fait ça pour pouvoir me faire éventuellement un autre compère de couteau. Ah non, c'était pour ça et puis pour un chasseur aussi. C'était ça? Qu'est-ce que je voulais faire? Non, créature. Non, créature dans les tuiles, j'ai fait. Ah, c'est dans 3 tours. Ouais, au cas où que je me fasse un autre. Bon, j'ai pas employé tout le monde, mais. Je peux prendre de l'avance sur un certain nombre d'autres ressources. Hop. Oh, et chambre. Ah, je suis maxé en chambre. Faites-moi des graines. Ceux qui font du chambre. Et en eau, j'en génère toujours trop. Ah oui, lui, j'ai plus besoin de générer de l'eau. Là, ce sera. Hop, là, je peux faire un baby en plus. En chambre. Ben, faites-moi des graines. Faites-moi des graines. Messieurs, dames. Ok. Hop. Générez-moi de ça et de ça. Ah non, c'était ça que je voulais faire. C'était un fabricant de tissu qui avait besoin. Ah ben non, je l'ai fait là. Un fabricant de tissu, c'est bon. Je l'ai fait là. Ok. Eh ben j'ai un gars dont je sais pas quoi faire. C'est triste. C'est triste, mais c'est ainsi. Ok, donc là je vais pouvoir me faire un fabricant de tissu. À partir de chanvre. Donc je vais de fait consommer du chanvre.
Et c'est l'hiver. Alors, voyons ce qui se passe. Ouais, voilà. Donc là, génération de froid, augmentation. La menace saisonnière augmente de 1. Donc il va me falloir un tout petit peu plus de marge. Il faut 6 de marge, puisque la menace saisonnière est à plus 2. Je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse. Voilà. Ah, santé. Santé, ça va, je suis large encore. Donc là, c'est bon. Là, je vais générer un peu ici. Ici. Il faut que je forme. Ah, il me faut des outils avancés. Bon, bah, pas de tissu. Pas de tissu avant bon bout de temps. Pour faire des outils avancés, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça. J'avais pas du tout anticipé ça. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est. Ouais, donc là, on a ces trois events qui sont apparus. Et ensuite, ce sera l'event multi. Alors, voilà, donc les champs ont disparu. Tout ce qui est tomates, ça a disparu. Tout ce qui est. Ah ouais, du coup, ils bouffent du bois. C'est vrai que j'ai des mangeurs de réglisse qui bouffent du bois. Les champs de citrouilles ont disparu. Donc c'est là, t'es content d'avoir des réserves. Et je vais pouvoir planter du navet. Hop, ici. Là. Hop. Hop. J'en ai certainement beaucoup trop. Ah, par contre, c'est cool. Là où il y avait de la cendre, ça a créé des terrains fertiles. Ah, ça, c'est bon à savoir. On peut créer des terrains fertiles comme ça. Hop. Alors, on va déplanter tout ça. Il en reste 5 encore qui font rien. Donc, on va déplanter tous les. Toutes les graines qui sont déjà là. Ça. Oui, donc ça, je ne peux plus en récolter parce que c'est l'hiver. J'en ai encore 3 qui font rien, mais il y a des babies en plus à faire. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas me planter mes champs, eux? Pour y penser, je vais faire mon chaudron là, même si je sais que je peux pas le faire pour l'instant. Hop, hop, hop. L'étalage de bandages et le bois, c'est pas des urgences. Très clairement, alors que faire des navets, c'est une urgence. Ok, donc plus 4, plus 6. Normalement, là, ça va se gérer. Mais je vais arrêter ce Twitch maintenant. Est-ce que je vous. Ouais, je vais arrêter maintenant. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit raid? Et si oui, sur qui? Je vais regarder dans les amis de la chaîne qui est actif actuellement. Personne. Vers qui est-ce que vous avez des gens que vous connaissez? Est-ce que je peux voir moi dans mes amis à moi? Même si j'en ai pas beaucoup. Bah non, j'ai que les jeux du cygne. Dans mes amis, moi qui stream. Bon.
que je sais pas, est-ce qu'il y a une chaîne ou un jeu que vous voudriez vers lequel vous voudriez que je vous envoie sur Ah tiens, je vais Asmodia. Alors, slash red. Asmodia. Hop. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Attention. C'est parti. Merci à tous d'avoir suivi cette partie. Ciao à YouTube et à bientôt.